Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo unboxing. Elle est là, la Woodbox est arrivée, la Woodbox de juin. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment refaire un unboxing et elle arrive pile au bon moment. Du coup, voilà, on va pouvoir comme d'habitude découvrir ce que réserve cette petite boîte. C'est parti! Alors comme d'habitude vous le savez, on va piocher complètement au hasard et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà la box a le visuel de, alors je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est Dr. Wu, je suis même quasiment sûr que c'est ça. Hop là, c'est sa petite cabine, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. J'ai jamais regardé Dr. Wu, faudrait peut-être que je me mette un jour, mais il y a tellement de saisons que genre j'ai pas la motivation. Allez c'est parti, on ouvre ça, hop là. Je me rappelle plus du thème de la Woodbox et c'est le thème science-fiction. Le voilà, science-fiction, sci-fi. On a le petit livret qu'on met juste à côté. Et on va pouvoir continuer tout de suite. Alors, oh, alors déjà je vois qu'on a peut-être une figurine. On a quelques petites boîtes. Oh, ça a l'air quand même d'être bien rempli. Ça a l'air quand même d'être bien rempli. Déjà, je vais récupérer le truc qui me paraît le plus bizarre. Je crois que c'est des chaussettes. Ou alors des gants, je sais pas. Ça a l'air d'être des chaussettes. C'est des chaussettes. C'est des chaussettes Mass Effect Andromeda. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mass Effect, je pense que tout le monde connaît. Et du coup, on a des petites chaussettes qui sont juste ici, rouges et noires. Elles sont plutôt pas mal. Bon, après, j'ai peut-être pas testé de les mettre. Faut peut-être quand même pas déconner. Il y a des limites. Voilà les chaussettes. C'est trop difficile, ça me fait vraiment super mal dans cette position. Voilà les chaussettes de Mass Effect qui sont juste ici. Je pensais pas que j'étais aussi souple. C'est incroyable, vous les avez. Là vous pourrez pas dire que je fais pas tout pour vous. Clairement, non, en vrai elles sont vraiment très très jolies. Vous savez quoi, je vais les porter aujourd'hui. Je vais les porter aujourd'hui et nous on va pouvoir passer au deuxième objet. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit pin déjà. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça vous allez forcément reconnaître. Je vais enlever le focus. Hop, enfin je vais le mettre, je veux dire, sur le petit, voilà, le petit pins. Il est très très joli. Je pense que vous l'aurez reconnu, c'est Transformers. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le t-shirt et deux boîtes. Alors on va commencer par la boîte la plus petite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'accord. Je vois, c'est des petites boîtes. Je crois qu'on avait déjà eu ce genre de boîte. Des espèces de figurines titans. Et en fait, c'est à l'effigie du Dr. Wu. C'est aléatoire. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnage? Franchement je connais pas Dr. Wu, mais celui que je kifferais grave à voir, c'est celui-là. Celui-là, je sais que c'est des méchants en plus. Celui-là, ou alors le chien, ou alors ça, ou alors la cabine. Et la cabine s'appelle le Tardis. Je crois que c'est le Tardis ou le Tardis, un truc comme ça. Et bah écoutez, on va ouvrir ça tout de suite. Quel personnage est-ce qu'on va avoir? En plus c'est grave con, on a le petit sachet. J'adore ce genre de truc random à ouvrir. Bon j'ai jamais de chance, j'ai toujours le pire truc que je voulais absolument pas. Mais attention, suspense, et on a... Alors déjà je peux vous dire qu'on a pas celui que je voulais. On a un personnage humain je pense. Alors si on a un personnage humain, sur qui on peut tomber? En vrai, j'aimerais bien soit avoir la fille, soit avoir le docteur avec les lunettes 3D. Écoutez, c'est parti. Attention, qui est-ce qu'on va avoir? Et c'est... C'est la déception. On a eu Jackson Lake. Il est juste ici. Le voilà. Jackson Lake. Hop là. Alors peut-être que vous le connaissez. Moi je sais pas du tout qui c'est. Si c'est un gentil, si c'est un méchant, j'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop là, il est juste ici. Maintenant on va pouvoir passer à la grosse boîte. Alors je pense pas que ce soit une figurine pop. Je pense pas. Quoique, je sais pas. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Attention, c'est parti. Et c'est une figurine pop. Oh non! Oh énorme! Ah ça j'avoue, je suis content. Alors là par contre, je suis grave content. C'est la pop de Groot. Regardez-moi ça, genre quand il fait la tête et quand il est dans son petit pot. Non, il est pas dans son pot, il est debout et c'est la version 2 quand il est tout petit dans les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment, enfin dans les Gardiens de la Galaxie 2 du coup, c'est vraiment super stylé, il est trop mignon. Je sais pas si on pouvait avoir l'un des autres, mais franchement, je suis grave content d'être tombé sur Groot parce que c'est mon personnage préféré. Donc en vrai, je suis grave content, merci beaucoup Woodbox, je mets ça juste de côté et on va voir maintenant le t-shirt. Je sais que le t-shirt c'est un des items que vous préférez le plus, donc on va voir ça tout de suite. Je regarde, je vérifie que c'est vide, c'est bien vide. Et le t-shirt, on le découvre, attention, et c'est... Oh, sympa, pas mal. Je crois avoir reconnu Retour vers le futur. Je crois que c'est ça. Voilà le t-shirt. Il est plutôt cool. En vrai, il est vraiment cool. Bah écoutez, vous le savez, on va le tester, on va le mettre. J'enlève mon pull juste avant. Et maintenant, on est prêt pour la petite transformation d'habitude. Hop là, vous êtes prêts? Et le voilà, c'est bon. Et ben franchement, en vrai, il est pas dégueulasse du tout. Regardez, il est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien la découpe. J'aime bien le motif qui est pas trop trop voyant, assez sobre. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et ben écoutez les amis, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Franchement, c'était pas mal du tout. C'est largement mieux que la box précédente que j'avais pas du tout aimé. Je vais checker un petit peu le livret du coup. Alors, qu'est-ce qu'on avait niveau méga Woodbox? Déjà, je vois qu'on a une petite pub pour la Japan Expo qui sera là du 6 au 9 juillet. Je serai présent à la Japan Expo, les amis. En tout cas, le samedi et le dimanche sûr et certain. Donc n'hésitez pas à y aller. On se
se rencontrera peut-être dans les couloirs, c'est quand même super cool. Au niveau de la méga woodbox, il y avait quoi? Il y avait pas mal de choses quand même, il y avait pas mal de choses. Une statuette de R2D2 et C3PO, là on a un collector, ici des jeux, ici un téléphone, vraiment posé comme d'habitude, la méga woodbox est ultra lourde. On a du coup la pop de Groot, le t-shirt, les fameuses chaussettes, la figurine qui est juste ici, le pins, et attention l'indice qui est juste ici. Est-ce que ce serait pas un Gremlins? Est-ce que c'est pas un Gremlins ou je sais pas? Je crois que c'est ça, c'est un Gremlins, non? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à mettre vos pronostics au niveau du thème dans les commentaires, peut-être transformation ou alors cauchemar.